Hey, salut tout le monde et bienvenue sur Fancy Gaming. On se retrouve pour un épisode assez spécial. Oh oui, maintenant j'ai fait un truc pour vous. J'ai fait un truc pour vous. Avant c'était que pour moi, mais maintenant je me suis dit pourquoi pas vous le faire avec vous. Ça serait sympathique et comme ça vous serez moins perdu au niveau du planning, tout simplement. Donc oui, alors j'ai fait un planning pour bien m'y retrouver personnellement et aussi pour vous. Mais avant c'était que pour moi. Donc c'était plutôt personnel. Donc je me suis fait un planning, donc lundi jusqu'à dimanche. Et là, vous voyez, il y a des petites cases où il y a écrit, par exemple, le lundi 25, et eh bien il y a rien eu. Enfin, il n'y a rien eu parce qu'on est dans le mois d'octobre. Donc c'est normal qu'il n'y ait rien puisque nous ne sommes pas au mois d'octobre, nous sommes au mois de septembre. Et donc, nous avons par exemple le dimanche 1er octobre, nous avons eu à 14h du Minecraft et c'est au vert parce que c'est prêt à diffuser. Et vu que c'est prêt à diffuser et que c'est déjà diffusé, ben, je le laisse au vert parce que c'est diffusé, quoi. Voilà, pré-diffusé, diffusé. Après, il y a des cases blanches, mais il n'y a rien. De toute façon, il y a une légende à côté où il y a écrit non enregistré, enregistré, mais qui n'est pas monté, qui n'est pas sur YouTube. Et là, pré-diffusion, c'est-à-dire qu'il est déjà sur YouTube, déjà paramétré, etc. Après, on a les live YouTube et on n'a rien. Non enregistré, c'est-à-dire que j'ai pas fait la vidéo. J'ai pas enregistré, donc j'ai pas fait le montage, donc j'ai pas envoyé sur YouTube, donc j'ai pas fait les paramètres. Donc voilà, j'ai rien fait, quoi. Exactement. Donc là, vous voyez, le planning est au vert, tout simplement. Et il y aura toutes ces cases là qui vont normalement devenir toutes vertes. Donc, qu'est-ce que vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends rien. Par exemple, le planning qui va sortir le lundi 2, c'est-à-dire aujourd'hui, le lundi 2 octobre 2017 à 10h. Donc il y a l'heure à côté et à 10h il y aura un planning. Tout comme à 10h le 8 octobre il y aura du FIFA 18 en mode joueur. Voilà. Donc oui, alors, je vais vous faire... c'est un peu ce que c'est que le planning hein, actuellement. Voilà, donc je voulais vous montrer ça. Parce que en plus vous l'avez. Donc comme je l'ai dit, avant c'était à moi, maintenant c'est à tout le monde. Tout le monde peut y aller. Par contre, vous pouvez pas modifier tout ça. Hein. Ça reste ma propriété. Donc qui modifie, qui rajoute, etc. Qui enlève. Mais ce planning, vous pouvez le voir en public. Pour voir si la vidéo a été tournée, est-ce qu'il y aura un live, etc. Et bien ça, vous pourrez le savoir, ben c'est dans la description de cette vidéo. Donc si vous voulez aller voir le planning de la chaîne, ben allez-y, 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 cliquez, enregistrez même ce lien. Et comme ça, si vous avez un moment où vous dites... qu'est-ce qu'il y aura demain, je ne sais plus. Et bien vous allez dans le planning et vous saurez, comme ça vous n'allez pas vous déplacer sur ma chaîne en disant ah non, il y a du Minecraft, parce que ça plaît pas à tout le monde. Il y a du Minecraft, ah non, à 18h, bon ben je vais pas venir à 18h vu que c'est du Minecraft. Oh, il y a du GPS4 à 14h, le jeudi à 14h. Ah ben je vais y aller, je sais qu'il y aura du GPS4, donc je sais que... je vais aller le voir, etc., etc. Donc voilà, vous avez tout ça et donc vous pourrez savoir mes séries qui vont venir d'ailleurs, qui vont arriver d'ailleurs, et les séries qui sont voilà, qui sont en mode qu'est-ce qui se passe? On attend, qui sont tout rouges, etc. Donc on va faire une petite brève revue de ce qui s'est passé au mois de septembre. Donc au mois de septembre, il y a eu 4 vidéos qui sont en rouge parce que je ne les ai pas fait. C'était un week-end que j'ai rien fait, je l'avoue. J'étais en mode peinard et j'avais oublié de faire les vidéos. Donc ça s'est répercuté et le nombre de vues, etc., a diminué. Normalement, le week-end, c'est là où il y a le plus de monde, où il y a beaucoup de monde qui regarde. C'est là où tout augmente, etc. C'est là où il y a un pic de vues, mais énorme. Mais sur ce week-end, du 16 au 17, il n'y a rien eu. Du 16 au 17 septembre, il y a eu très peu de vidéos. Il y a eu un FIFA 18 à 10h, il y a eu un FIFA 18 et un Planet Coaster à 10h. Voilà, c'est pas le truc. Il n'y avait pas de GPS4, il n'y avait pas encore de GPS4 aussi là-bas. Alors je me demande pourquoi j'ai mis du GPS4 ici, je ne sais pas.
Après, il y a eu combien de lives en tout? Il y a eu 1, 2, 3, 4. Il y en a eu que 4 lives. Il y a eu que 4 lives. Donc, bon, hein, c'est pas un rythme foufou. C'est pas génial, 4 lives. Normalement, je suis plutôt quelqu'un qui fait un live par semaine. Il y a eu combien de semaines? 1, 2, 3, 4, 5. Normalement, c'est un live par semaine. Donc, vous savez que mes temps de live, c'est soit le mercredi, soit le dimanche, ou alors les deux, ce qui est possible. Mais là, j'ai pas eu de moment de live, donc très peu même. Il y a eu des semaines où il y a eu aucun live, il y a eu des semaines, il y a eu une semaine où il y a eu deux lives. Après, il y en a plus eu. Voilà. Après, ça dépend aussi parce que quand il y a Monaco qui joue, donc je regarde, etc. Comme il y a la Coupe des Champions, donc vous savez, des fois c'est mardi, des fois c'est mercredi. Des fois le mercredi, je regarde aussi d'autres clubs et des fois le mercredi, j'ai envie d'être en repos, tout comme le dimanche, j'ai envie d'être en repos. Donc je fais pas de vidéo, hein, tout simplement, parce que j'ai envie de profiter à fond de mes journées où je suis tranquille et pas concrétisé sur YouTube et sur mon lycée. Parce que oui, je suis encore au lycée, donc je travaille, j'ai des devoirs avec tout. Donc je peux pas me concentrer à 100% sur le lycée. Sur le lycée, j'essaie de me concentrer à 100%. En plus, mes notes commencent à être bonnes comparées à l'année dernière, donc je suis très content. Donc ça m'encourage encore plus à travailler en cours. Et voilà, et parce que je me dis que mon planning et mon emploi du temps est très bon, elle est magnifique, mon emploi du temps est vraiment très très bien, je suis très content de ma terminale, elle est très très bien pour vous faire du contenu et pouvoir aussi faire pouvoir travailler en cours et en études, etc. Donc c'est vraiment génial, mon emploi du temps est vraiment génial, donc je suis très content et ça me permet de faire aussi 2 vidéos par jour. Donc on revient au niveau de octobre. Donc vous voyez, il n'y a plus de il n'y a plus du tout de Planet Coaster. Parce que je vous rappelle que Planet Coaster, c'est terminé. On a fini la saison sur Planet Coaster. Hein, c'est terminé. Je l'ai un petit peu précipité. C'est un peu précoce quand même la fin de Planet Coaster. Tout simplement parce que il y a FIFA 18 qui vient tout juste de sortir. Enfin, il y a le 29, mais ça c'est pas très longtemps. Qui vient tout juste de sortir. Et moi, j'ai envie de faire un let's play en carrière manager et en carrière joueur. Donc, ça me permet. D'enlever, enfin, il me fallait une série qui parte, hein, parce que je peux pas faire 3 vidéos par jour. Je ne peux pas tenir ce rythme. C'est trop pour moi. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop et ça sert à rien. 3 vidéos alors que j'ai très très peu d'abonnés. Même si ça augmente, hein, de jour en jour et ça, je peux que vous remercier. Franchement, ça fait plaisir que vous qu'il y ait plus en plus de gens qui me suivent et ça fait vraiment plaisir au fond de mon cœur. Mais encore une fois, il y a beaucoup, 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 beaucoup. Enfin, il y aura. Si je faisais 3 vidéos par jour, il y aurait trop de vidéos pour trop peu de vues. Donc, c'est pas équitable. Alors que 2 vidéos par jour, ça passe. Bon, après, il y a des moments, par exemple, le dimanche, il y aura 3 vidéos par jour. Enfin, il y aura 3 vidéos. Simplement parce qu'il me fallait 4 vidéos en tout parce que je voulais faire 2 vidéos manager et 2 vidéos joueur. Et comme le dimanche, c'est pas vraiment le jour où y a les vidéos qui vous plaisent le plus, donc il n'y a pas de GPS 4, il n'y a pas de SimCity, il n'y a pas de y avait pas de Planet Coaster parce que ça plaisait aussi Planet Coaster, il n'y avait pas tout ça, donc non. Non, 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 donc je me suis dit pourquoi pas, je vais pas enlever Minecraft et tout parce que j'aime bien Minecraft et aussi sûrement le 8, je sais pas qu'est-ce que je vais mettre, donc c'est pour ça qu'allez consulter assez souvent le planning parce que je peux rajouter des choses de nouvelles. Normalement il y aura du Europa Universalis 4, je ne sais pas, on verra, mais voilà, moi je crois qu'on va faire du Europa Universalis 4 ou alors on va continuer un petit peu avec Train Simulator, même si je pense qu'on va faire quand même du Europa Universalis 4. Je pense vraiment qu'on va faire du Europa Universalis 4. Après, vous verrez, etc. Bref, donc il y a plus, y a plus Planet Coaster. GPS 4 va toujours quand même dans le même rythme, hein, 1 vidéo par jour à peu près, sauf le dimanche. Donc 3 avec l'Angola et 3 avec la Corée du Nord. Donc Corée du Nord se serait secondaire tous les 14 heures. Le mardi, le jeudi et le vendredi et le samedi. Et pour Angola, c'est lundi à 18h,
tout comme mercredi à 18h et tout comme vendredi à 18h. Bref. Et donc, on va rajouter aussi FIFA 18. Vous avez vu, FIFA 18 a pris la place parce que normalement, SimCity, c'est tous les lundis, tous les mercredis et tous les vendredis. Et bien maintenant, j'ai switché SimCity avec Planet Coaster. Donc maintenant, SimCity, il y aura moins de SimCity. Mais par contre, vous savez que je fais encore des lives et que les lives sur SimCity, ben, ça marche parce que ma connexion Internet arrive à faire des lives SimCity. Donc je fais des lives de SimCity, pas que de chez PS4 parce que c'est chiant à force. Et je veux pas me lasser du jeu parce que j'aime bien le jeu et j'ai pas envie de me lasser tout le temps. Donc je fais du SimCity en live. Donc c'est possible que par exemple ce mercredi, comme il y a écrit live YouTube, c'est possible qu'il y ait un live sur SimCity ou sur un autre jeu, etc. Mais après, c'est pas sûr hein, qu'il y ait un live. Voilà, j'ai mis live YouTube parce que normalement c'est mercredi et dimanche. Mais normalement, si j'ai pas envie de faire un live, eh bien je le supprime du planning. Et donc vous le saurez, hein, vous le saurez de toute façon si vous allez dans le planning et si vous ne voyez pas sur YouTube un petit truc qui dit attention, il y a un rappel, il y a un live qui va commencer le mercredi à 21h, bla 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 bla. Enfin bref, voilà, vous avez l'habitude à force. Donc pour l'instant, voilà, il y a du FIFA 18 Manager le lundi, il y a du FIFA 18 Joueur le mercredi, il y a du FIFA 18 Manager le vendredi, il y a du FIFA 18 Joueur le dimanche. Donc ça sera une fois tous les 2 jours, à part du dimanche au lundi, mais sinon c'est une vidéo tous les 2 jours pour du FIFA 18. Et qu'on va continuer tout au rythme, blablabla, jusqu'en bas. Et je pense, moi, que SimCity va s'arrêter plutôt à l'avant-dernière semaine du mois d'octobre, parce qu'on aura fait beaucoup de vidéos sur SimCity quand même. Après, je ne sais pas, hein, c'est possible qu'on continue hein, encore SimCity, mais je ne sais pas. Donc, c'est possible qu'on arrête SimCity et qu'on fasse un autre jeu, je ne sais pas quoi, sûrement, je ne sais pas, peut-être du City Skylines, peut-être. Oh bah, il y a tellement de choix que je peux faire, hein. Enfin pas tellement, mais il y a du choix, ou peut-être du HOI 4, hein, du Hearts of Iron 4, mais faut que franchement je devienne un peu plus fort sur HOI 4. Mais c'est possible, c'est possible, c'est possible. Donc il y a plein de choses qu'on pourrait faire. Hein. Voilà, il y a plein. J'ai des idées, mais c'est pas encore sûr. Alors faire une saison 2 sur Rimworld parce que la première saison était mal foutue. Enfin bref, plein de décisions. Et donc, ben voilà, si vous avez des questions, bien sûr, répondez-moi en commentaire. Je vais vous répondre, hein, bien sûr. Même si je sais que je réponds pas tout le temps. Mais, enfin, je réponds pas tout le temps. Je réponds pas le jour J que vous envoyez votre commentaire. Hein, je réponds soit un jour après, soit 2 jours, soit 3 jours, soit une semaine. Une semaine, non, j'aime pas répondre une semaine après, mais normalement, c'est 2 jours, 1 jour. 1 jour, 2 jours, et vous aurez votre réponse. Donc voilà. Donc je vous rappelle que vous pouvez consulter ce planning dans le lien qui se trouve, enfin sur le lien qui se trouve dans la description de cet épisode, enfin, de cette vidéo. Donc n'oubliez pas de checker un petit peu si ça vous intéresse, etc. Allez, en tout cas, on se retrouve pour un prochain épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi et ciao tout le monde.